Yes. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vous laisse 2 minutes pour vous connecter. Allez, 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 allez. Partagez, 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 s'il vous plaît. Allez, partagez un peu là. On n'est même pas 10 personnes, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un marathon de live, mais comme vous avez remarqué, entre midi et 2, il n'y a personne en live. Donc, je profite de l'occasion pour pouvoir apporter ma part. Donc, ok. Donc, salut, salut à tout le monde. Salut Françoise. Salut Pierre. Partagez la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent, s'il vous plaît, avoir accès. Où qu'on se trouve dans la planète, on est concerné. C'est important de le savoir. Allez, continuez à partager, s'il vous plaît. Bon, on va y aller. Hein. Attendez. Ok. Donc, salut à tout le monde. Donc, salut à tout le monde. Salut, la belle. Donc, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour simplement, j'ai pas besoin de ça. C'est pour simplement apporter. Ma part d'indignation par rapport à l'arrestation de Maître Ndoki. Voilà. Donc, même si je suis un peu loin, j'ai quand même eu. Je suis quand même ce qui se passe. Et j'étais vraiment désolé que notre sœur, la grande avocate Maître Ndoki, en plus d'être une Camerounaise, en plus d'être une Camerounaise, c'est une Douala. Donc, c'est-à-dire que je suis encore 2 fois plus concerné. Parce que, un, c'est une Camerounaise, deux, c'est une résistante, et trois, en plus, elle est Douala. Donc, c'est quelqu'un de chez moi. Donc, je pense qu'en tant que Douala, nous devons être solidaires et montrer notre unité, notre solidarité envers Maître Ndoki. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, moi, en tout cas, chers amis, comme vous le savez, comme vous le constatez, il y a un marathon de live. Il y a Serge Anongo qui était en live juste avant. Et je crois qu'il y a la sœur d'Italie qui doit reprendre à 14 h. D'accord? Donc,
Il y a une tranche horaire de 2 heures où il n'y a personne. Donc je me suis dit que plutôt que de dormir, plutôt que de faire des choses qui ne sont pas forcément utiles, même si on a tous besoin de se reposer, mais ça peut être intéressant aussi de donner son avis sur un créneau où justement il n'y a personne. C'est ce que j'appelle une bonne initiative. Donc chers amis, sachez que ce qui se passe là, c'est vrai que c'est grave, mais en même temps, il faut que vous sachiez que c'est les soubresauts d'une fin de règne. Parce que vous savez, comme je l'avais dit la dernière fois dans le live, je sais plus si c'est de Serge, j'avais dit que, vous savez, quand un régime commence à, comment on appelle ça? Quand un régime commence à arrêter à tout va, commence à faire tout un tas de choses, c'est simplement que ça veut dire que ce régime-là, il est aux abois. Ce régime-là, il est aux abois. Et ça veut dire que là, c'est les derniers soubresauts. C'est les derniers soubresauts. Donc, malgré les arrestations, malgré les brimades, la dernière chose à faire, c'est de lâcher. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher. Et justement, les gens qui sont interpellés là, ce sont des gens qui attendent de nous que nous soyons debout, qui attendent que la basse soit debout, que nous continuions le combat, nous qui avons la liberté de pouvoir parler, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout. Nous, nous avons l'occasion de pouvoir dire des choses. Donc ce régime-là, ce régime, c'est les derniers soubresauts d'un régime qui a perdu le contrôle de la situation. Mais quand je vous dis qu'il a perdu le contrôle de la situation, vous avez remarqué, je vais vous dire pourquoi. Si vous remarquez bien, écoutez bien, durant toutes ces années, le régime a arrêté des gens, certes, mais parfois il hésitait et quand il le faisait, il savait comment il le faisait. Là, on voit que ça arrête à gauche, ça arrête à droite, ça arrête en haut, ça arrête en bas. Ça arrête sans plus aucune distinction, quasiment. Mais vous savez pas que Mobutu est passé par cette phase-là? Amin Dada est passé par cette phase-là où ils arrêtaient, ils arrêtaient, ils arrêtaient. Mais ça n'a pas empêché leur chute. Ça n'a pas empêché leur chute. Donc c'est pour vous dire que, les amis, ce combat-là, nous allons le remporter. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ce combat, nous allons le remporter. Dolmy Diego, mais il y a Essama qui parle au Cameroun. Il y a Essama qui parle au Cameroun. Tu vois, et puis d'abord même je vais te bloquer. Parce que j'aime pas ce genre d'intervention. Voilà. Il est bloqué. Et c'est toujours les membres du MRC. Mais oui. Parce que le MRC aujourd'hui, et je le dis, moi personnellement, je ne suis pas MRC. Hein, mais le MRC est le seul véritable parti d'opposition aujourd'hui présent au Cameroun. Mais je vous le répète. C'est pas pour autant que la BAS est soumise au MRC ou est inféodée au MRC. Mais nous disons ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est que le parti qui fait mal au pouvoir, qui inquiète le pouvoir, à telle enseigne que le pouvoir lance des arrestations à tout azimut, c'est le MRC. C'est le MRC. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout le monde. Que nous soyons en Europe, que nous soyons en Asie, que nous soyons en Amérique, que nous soyons en Afrique, tous les Camerounais sont concernés par le combat. Tous les Camerounais sont concernés par ce combat. Là, moi, je suis dans un endroit où je suis censé faire toute autre chose. Mais c'est pour vous dire, vous savez pourquoi j'ai fini? Je vais vous montrer. Moi, tout est pédagogique. Vous savez pourquoi je suis en train de filmer ça? Je vais vous montrer. Regardez. Je vais vous montrer. C'est la mer qui est là.
il y a la piscine. Voilà, là-bas, il y a la mer. Pourquoi, cher Camerounais, je vous montre ça? Est-ce que c'est pour vous narguer? Pas du tout. Vous savez pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire que, pour que vous compreniez que, comment on peut être heureux et se contenter de vivre sa vie quand vous avez des frères au nord-ouest et au sud-ouest qui sont en train de mourir. Quand vous avez des frères au nord-ouest et au sud-ouest qui sont en train de mourir. Ça veut dire que si moi, Drewoni, là dans le pays, dans l'île paradisiaque dans laquelle je suis aujourd'hui. Non, je ne suis pas en vacances. Mais c'est tout comme. Mais si moi, Drewoni, je suis dans le luxe. Mais que dans ce luxe-là, mon cœur n'est pas tranquillisé à 100%. Que mon cœur n'est pas tranquille à 100% parce que j'ai des frères camerounais qui meurent. Parce que j'ai des frères camerounais qui sont arrêtés. Parce que j'ai mes frères camerounais qui vivent la dictature. Si mon cœur n'est pas complètement tranquille, comment expliquez-vous que à Etoudi, les gens dorment du sommeil du juste, coupent les gâteaux, vont en Suisse, jouissent de la vie sans avoir ce cœur qui saigne. Sans avoir ce cœur qui saigne. Vous savez là où je suis là, chers amis, quand vous allez au Cameroun et que vous allez à Kribi ou à Lindé, les infrastructures n'atteignent pas, n'arrivent même pas à la cheville des infrastructures qui sont ici, dans le pays dans lequel je me trouve. Je vous le dis, les infrastructures n'atteignent même pas la cheville au Cameroun. Pourtant, le Cameroun, c'est un pays où il y a des belles plages. Le Cameroun, c'est un pays où ne serait-ce que quand vous prenez Limbé ou bien quand vous prenez même la plage de Kribi, les plages de Kribi. Mais il y a de quoi construire des véritables résidences hôtelières. Il y a de quoi monter des vrais complexes touristiques. Mais je vous dis que, moi, Drewoni, j'étais à Limbé. Mais je vous dis que les complexes n'atteignent pas la cheville du pays dans lequel je me trouve aujourd'hui. C'est pour vous dire que même quand nous sommes à l'aise, nous qui sommes à l'aise, nous qui avons des vies privilégiées, ce n'est pas une raison pour oublier nos frères. Ce n'est pas une raison pour ne pas continuer la lutte. Et ce que je vais vous faire expliquer, c'est que à Etoudi, ils dorment bien. À Etoudi, les gens dorment très bien. Les gens coupent les gâteaux. Les gens invitent les artistes en concert. Parce qu'ils n'ont que faire, ils n'ont que foutre. Ils n'ont que foutre de la pauvreté de la population. Au contraire, ils appauvrissent sa population parce que l'argent, ils se le partagent. C'est pour vous dire que nous, on n'est pas comme ça. Nous, nous nous inquiétons du peuple dans les moments difficiles, comme dans les moments où, comme je vous montre là, nous sommes privilégiés. C'est ça que je voulais vous dire. Et c'est pour vous dire aussi, chers amis, et là, je vais m'adresser à tous ceux qui disent que, oh, pourquoi nous, on parle? On parle parce qu'on aime le Cameroun. Vous savez, nous, on n'a pas faim. On n'a pas faim. J'ai mangé les meilleures choses, notamment ces deux derniers jours-là. Je vous dis que là où je suis, c'est le luxe. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même un complexe sportif. C'est-à-dire que là, avec mes gars, là, on a fait du sport, tout ça, il y a les cocktails. C'est-à-dire que tout est laissé tomber. Mais, ça veut dire que si on parle du Cameroun, c'est qu'on a vraiment le souci du Cameroun parce que nous n'avons pas faim. Nous n'espérons pas de poste et nous, on ne s'ennuie pas dans la vie. On ne s'ennuie pas dans la vie. Donc, c'était simplement pour vous montrer que nous, si on parle du Cameroun, c'est simplement parce qu'on se sent profondément camerounais, malgré nos nationalités. La nationalité, c'est un détail. C'est un détail administratif. C'est un détail administratif. On peut être français, espagnol, russe. Quand tu es d'origine camerounaise, tu aimes ton pays. Oui, c'est ça, Gunther. Ouais, je suis en tournée. C'est les concerts, voilà. Et donc, c'est-à-dire que quand tu es camerounais, tu aimes ton pays où que tu te trouves. Tu es au Japon, tu es aux États-Unis, tu es ici, là où je suis, là-haut. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, ton cœur respire et bat pour le Cameroun. Ton cœur respire et bat pour le Cameroun. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Et un vrai Camerounais doit s'inquiéter des choses de son pays où qu'il se trouve.
où qu'il se trouve, dans quelque continent qu'il se soit, que ce soit, un Camerounais ne doit jamais oublier ses frères. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, là, je vous parle, je vous dis, hein, si je vous fais visiter là où je suis là, mais vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. Le Cameroun n'arrive même pas à la cheville. Même pas à la cheville. Mais, malgré tout, je me dis que non. Il y a mes frères dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, ça ne va pas. Il y a mes frères là-bas, il n'y a pas de route. Il y a mes frères et mes soeurs là qui sont arrêtés. Il y a le vieux là qui a perdu les élections, il ne veut pas quitter. Il y a ceci, il y a cela. C'est ça un combattant. C'est ça un combattant. Un combattant, c'est quelqu'un qui, dans n'importe quel moment de sa vie, dans les hauts comme dans les bas, il a toujours le cerveau dans le combat. Comment vous pouvez expliquer que moi, Tribouni, je suis là, au lieu d'aller profiter de la piscine, bon, je vais aller à la piscine, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve encore la motivation de faire un live dans le cadre paradisiaque dans lequel je suis. Normalement, quelqu'un de normal, quand il est dans le cadre dans lequel je suis, mais il profite, le voyage c'est payé où? Voyage là, même 1 euro là, j'ai pas déboursé. Voyage c'est payé. Et puis en plus, on me paye. Vous voyez quand Longuet fait souvent les lives, quand il est au Canada, quand souvent il est au Kenya, tout ça. Ben voilà. Et en plus, non seulement tu payes pas, mais c'est vrai que même les vacanciers qui sont là. Vous voyez les vacanciers qui sont là, je vais vous montrer. Vous voyez les vacanciers qui sont là, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez les vacanciers? Vous voyez? Les vacanciers. Vous voyez? Tous ces vacanciers. C'est des gens. C'est des gens. Ils sont dans un beau cadre, mais eux, ils ont payé leur billet. Ils ont payé leur réservation. Ils ont payé leur chambre. Moi, Dreboni, là, non seulement j'ai rien payé, mais on m'a payé pour que je vienne. C'est pour vous dire que, les amis, j'ai pas faim, mais je suis Camerounais. Et que tu sois footballeur, que tu sois artiste, que tu sois, je sais pas, peut-être chanteur, ou que tu sois acteur, ou que tu sois, je sais pas, si tu es Camerounais, tu peux pas te contenter uniquement de ton style de vie. Tu peux pas te contenter uniquement de jouir de la vie. Tu peux pas te contenter uniquement d'apprécier les bienfaits de la vie sans jamais t'inquiéter de ce qui se passe chez toi. C'est pour vous dire, chers amis, que nous sommes dans la lutte, c'est toute l'année. Nous sommes dans la lutte, c'est toute l'année. Et je vous le dis. Cette lutte-là trouvera une issue victorieuse. Parce que le combat noble que nous sommes en train de mener, c'est un combat qui est éminemment juste. Je dis bien éminemment juste. Papa, il dit, est-ce que ta femme est une Camerounaise et tu aimes le Cameroun et la femme camerounaise? Mais mon frère, tu sais, je vais te répondre. Tu n'es pas obligé d'être avec une Camerounaise pour prouver à toi-même ou aux autres que tu aimes le Cameroun. Tu te mets avec une femme que tu aimes. C'est-à-dire que moi, Dreboni, si je choisis une femme, je ne la choisis pas en fonction de sa nationalité, ni même en fonction de sa couleur de peau. Je vous explique. Tu peux très bien être avec une Camerounaise ou une Noire, et finalement la relation, j'en connais beaucoup, la relation va à volo. Tu peux être aussi avec une Blanche et la situation va à volo. C'est une parenthèse. Tu peux être avec une Blanche et la situation va à volo. Tu peux être avec une Métisse et la situation va à volo. Comme tu peux être avec une Blanche et ça se passe bien. Moi, je connais des... J'ai des amis à moi, c'est des Noirs, ils sont avec des Blanches, ça se passe très bien. J'ai des amis aussi qui sont Noirs, qui sont avec des Noirs, ça se passe très bien. Moi, je choisis une femme pour ses qualités intrinsèques. Pour ses qualités intrinsèques. C'est-à-dire que pour moi, deux femmes, c'est deux personnes à part entière. Et je ne peux pas classer une parce que elle est de cette couleur, ou elle est de cette culture, ou elle est de cette religion. Non. C'est comme quand tu achètes une maison. C'est-à-dire qu'il faut que tu te sentes bien à l'intérieur de la maison. Ce n'est pas juste parce que la maison elle est à Paris, ou bien la maison elle est à Marseille, ou bien la maison elle est là-bas. Il faut que quand tu rentres à l'intérieur de la maison, que tu explores la maison, il faut que ça te plaise.
Il faut que tu te sentes à l'aise à l'intérieur de cette maison-là. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'était une parenthèse. Moi, c'est pour vous dire que moi, c'est pas la couleur. Il y a de vrais connards chez les Noirs. Il y a des filles irrecommandables chez les Noirs. Comme il y a des filles comme ça chez les Noirs et des filles comme ça chez les Blanches. Prenez les gens par rapport à leurs actes, par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils font. Ne prenez pas les gens sur des critères qu'ils n'ont pas choisis. Parce que tu ne choisis pas d'être noir, tu ne choisis pas d'être blanc. Donc tu ne peux pas choisir quelqu'un en fonction d'un critère qu'il n'a pas choisi. Si tu es l'homme le plus intelligent du monde et qu'une femme blanche te refuse parce que tu es noir, c'est elle n'a rien compris. Elle est passée à côté. Parce qu'elle t'a jugé sur quelque chose que tu n'as pas choisi. Et elle n'a pas regardé ce qui était à l'intérieur de toi. Et dans le Cameroun de demain, justement, nous allons commencer à dépasser ces clichés qui, au final, ne nous ont jamais fait avancer. C'est-à-dire que maintenant, on ne prendra plus quelqu'un parce qu'il est bêti. On ne prendra plus quelqu'un parce qu'il est douala. On ne prendra plus quelqu'un parce que c'est un bassa. On prendra quelqu'un en fonction de son apport, de ce qu'il est capable d'apporter. On prendra quelqu'un par rapport à ses qualités intrinsèques. Moi, je veux que dans le Cameroun de demain... Parce qu'il ne suffit pas que Biya parte. Hein. Biya part, c'est une première bonne chose. Mais qu'est-ce que nous, avec nos mentalités là, est-ce que nos mentalités aussi sont propres à nous faire avancer? Si quelqu'un est un Camerounais avec une Camerounaise, c'est bien. Mais si quelqu'un a trouvé l'amour en dehors des frontières camerounaises, le monde bientôt... Vous savez que le monde est devenu un grand village. Hein. Le monde est devenu un grand village. Ceux qui refusent de voir ça, c'est tant pis pour eux. Mais le monde est devenu un grand village. Et surtout, quand tu recherches quelqu'un, tu recherches un bien-être, un bon vivre. Et tu recherches certaines qualités. Si tu les trouves en une femme, mais que tu repousses cette femme au prétexte qu'elle est blanche, ou qu'elle est chinoise, ou qu'elle est truc, c'est toi qui va rester comme ça. Hein. Donc voilà. Tout ça pour vous dire ça. Donc revenons maintenant au sujet principal, qui est la situation dans notre pays. Chers amis, le mal que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose qui doit nous mobiliser et c'est quelque chose qui doit nous rendre déterminés à pouvoir gagner notre liberté. Je répète, le mal que nous sommes en train de vivre ne doit pas nous décourager, mais au contraire, doit nous encourager à être encore plus déterminés pour avoir notre liberté. Parce que c'est quand nous serons libres que nous allons apprécier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand ce pays, je l'ai dit à Serge Angou, j'ai dit, quand Biya va tomber, je donne 10 ans au Cameroun. Dans 10 ans, vous n'allez plus reconnaître ce pays. Dans 10 ans, vous n'allez plus reconnaître ce pays. Et vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun, le Camerounais, c'est quelqu'un qui est bon quand il est au pied du mur. Quand il est au pied du mur. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va perdre. Regardez la diaspora camerounaise. C'est la plus jeune diaspora en Afrique centrale. Au niveau de la résistance camerounaise, c'est la plus jeune en Afrique centrale. Les Congolais ont commencé avant nous. Même les Gabonais ont commencé avant nous. Mais tous sont en train de Rwanda parce que nous sommes dans notre cinquième mois. Et puis les actes qui sont posés, ce sont des actes qui forcent le respect, y compris des autres diasporas. Quand il y avait le coup de l'ambassade, là, après, à la fin, il y a même des Congolais qui sont venus, il y a des Gabonais qui nous ont rejoints, parce qu'ils ont Rwanda que vous, là. C'est comment? Vous faites des choses que nous-mêmes, là, on n'a pas fait, ou on n'a pas, en tout cas, on n'a pas vu ça comme ça. Donc, pour vous dire que le Camerounais, c'est le dernier qui sera premier. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, de la même manière que nous, en Afrique centrale, quand nous allons faire tomber Biya, nous allons rattraper, c'est-à-dire que de dernier que nous sommes, nous allons rattraper pour devenir les premiers en Afrique centrale. Nous allons rattraper le retard pour devenir les premiers en Afrique centrale. Et vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun a toutes les potentialités au niveau du climat, au niveau des richesses et au niveau de ça. Le goût de ça, l'intellect, le Camerounais, c'est que si vous connaissez des Camerounais en Europe, la plupart, observez, ingénieurs, docteurs, professeurs,
expert. Ça là, c'est les Camerounais. Maurice Gungolo, je te bloque. J'aime pas les bêtises. Si t'es un sardinard, faut rester avec les sardinards. Donc je continue. Je dis que le Camerounais a ça. Mais pour que ça puisse retourner au Cameroun, il faut libérer les énergies. C'est pour ça que le slogan de Cabral Libi est un excellent slogan. Je parle pas de l'homme, je parle du programme. Et c'est pour ça que nous, au départ, on a cru en lui. Je fais un big up à Platini. Je fais un big up à beaucoup de combattants qui, comme moi, ont été déçus. Le programme de Cabral Libi, qui était de libérer les énergies, était un programme génial. Parce qu'en libérant les énergies, en permettant que tous les gens, tous les intellectuels de la diaspora, tous ceux qui ont un fort taux d'expertise dans tel ou tel domaine puissent revenir, ça allait créer ce qu'on appelle non seulement de la richesse, mais ça allait industrialiser le pays. Ça allait faire que le pays allait repartir sur des bases qui allaient faire de lui le leader incontesté et incontestable de l'Afrique centrale. Ça, c'était sous 10 ans. Et j'ai dit que sous 20 ans, c'est nous qui allions dominer l'Afrique subsaharienne. Et dans 30 ans, l'Afrique entière. C'est pour ça que je vous dis que l'enjeu du départ de Biya, c'est un enjeu. Les enjeux sont colossaux. Parce qu'il est le dernier verrou qui nous sépare d'un voyage extraordinaire vers notre destinée. Je répète, Biya est le dernier verrou qui nous sépare d'une destinée extraordinaire. Vous verrez, un gars comme Maurice Kamto, donnez lui-même 10 ans ou 5 ans avec quelqu'un qui derrière reprend le boulot. Vous verrez le Cameroun dans 10 ans. Vous verrez Limbé dans 10 ans. Vous verrez Krébi dans 10 ans. Parce que comment vous... Moi, je dis que ici là, ce que je vois là, pourquoi je ne peux pas voir ça au Cameroun? C'est possible. Le fait de voir ça au Cameroun, c'est possible. C'est possible. Mais il faut que nous ayons à la tête de nos états des gens qui travaillent sérieusement. Il faut que nous ayons des amoureux du Cameroun. Il faut que nous ayons des gens qui peuvent donner leur poitrine pour le pays. Des gens qui ne regardent pas à leurs heures et des gens qui ne regardent pas à leur poche. Mais ce paradis-là, c'est possible d'avoir ça chez nous. Je vous le dis. Je rêve de voir le complexe dans lequel je suis ici. Je rêve de le voir au Cameroun. C'est mon rêve. Que pour voir quelque chose de propre comme ça, là, si je vous emmène dans la salle de bain ici là où je suis, mais vous allez au Rwanda. Mais je sais que ça, c'est faisable au Cameroun. Mais ce n'est pas faisable avec les gens qui sont là aujourd'hui. C'est faisable avec les gens qui seront là demain. C'est pour ça que nous ne nous battons pas pour aujourd'hui, nous nous battons pour demain. Nous nous battons pour après-demain. Nous nous battons pour après-demain. Pour que les générations puissent vivre dans des hôtels comme ça, mais au Cameroun. Non, Eric, écoute, la libération des énergies, si c'était moi qui avais porté ce programme-là et qui l'avais mis en œuvre, tu aurais vu que c'est un bon programme. Ce n'est pas le programme le problème. Le problème, c'est que la personne qui a porté ce programme-là, c'est quelqu'un qui a décidé de retourner sa veste. C'est juste ça. C'est juste ça le problème. C'est juste ça. Mais le programme de Cabral, tu sais, moi, je ne suis pas les gens pour rien. Même si on s'est trompé sur l'homme. Mais on ne s'est pas trompé sur le programme. C'est moi qui te le dis. Et c'est pour ça qu'avec, même avec un programme aussi balèze, il est encore plus coupable de ne pas avoir tenu ferme jusqu'au bout. Parce que le programme était bon. C'est pour ça qu'il a encore moins d'excuses. Parce que ce programme-là, regardez des gens comme Platini. Platini, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est un grand ingénieur. Pensez que Platini peut suivre quelqu'un juste parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune ou quoi. Il a regardé le programme. Platini a regardé le programme. Et Platini peut vous parler du programme de Cabral. C'était un très bon programme.
Mais c'est la personne, c'est la personnalité de celui qui portait ce programme-là qui n'a pas été fiable. Mais ça, c'est un truc, on ne peut rien faire. Ça, c'est un truc qu'on peut rien faire. Vous allez monter, vous allez descendre, vous ne pouvez pas le prévoir. C'est vrai qu'on a pris un certain pari. Vous savez, quand vous prenez un pari sur des gens que vous ne connaissez pas, bah, vous avez 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre, parce que vous ne connaissez pas les personnes. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un pari qu'on a perdu, parce que la personne était, au final, peu fiable. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le centre du sujet, ce n'est pas le centre de la vidéo. Le centre du sujet, le centre de la vidéo, c'est pour dire que, finalement, chers amis, notre pays va à volo. Il se passe tout un tas de choses regrettables, lamentables, ignobles, mais nous ne perdons pas espoir. C'est ça qu'il faut retenir. Et surtout, nous, les gens de la diaspora de la résistance, nous n'avons pas faim. Ce qu'on dit les sans-papiers, là, nous n'avons pas faim. Mais c'est parce que nous aimons notre pays que même dans les moments où nous devrions profiter de la vie, où nous devrions nous réjouir, comme là, en ce moment, c'est pour ça que je vous montre tout ça, même dans ces moments-là, nous restons Camerounais et nous ne pouvons nous résoudre à simplement s'auto-suffire, se suffire de la jouissance passagère pour forget, pour oublier notre faso, notre mboa, notre pays, notre 237. Voilà. C'est ça. Donc, chers amis, en tout cas, c'était Dreboni. Merci de m'avoir écouté. J'ai vu que mon supérieur Calibri était là. Donc, commandant, nous sommes ensemble. Je t'appellerai juste après, tout à l'heure, là. Mais sachez que ce combat, pour moi, il est déjà gagné. Quand je dis il est déjà gagné, c'est-à-dire que si nous continuons à nous serrer les coudes, à demeurer ensemble, vous verrez que ce combat est gagné. Et nous rentrerons tous ensemble à Douala ou à Yaoundé pour fêter notre victoire. Ah, il y a un frère qui va intervenir. J'essaie de prendre le frère. Restez en ligne. Oui. Est-ce que ça prend? Oui, ça bonjour, prend. Salut. Bonjour, Frangin Dreboni. Bonjour, Frangin Dreboni. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Merci. Ça va, merci, je te remercie. Oui, franchement, merci de m'avoir. Je te laisse avec grand plaisir la parole. Merci, franchement, de m'avoir donné la parole. Je suis ton voisin de Dedo. Je suis à la nouvelle rue Grand Moulin Dedo. Ah. Et je suis un Sawa. Je suis un Sawa 100%. Tu es Sawa, mais tu vois, ta participation au combat démontre que avant même d'être Sawa, tu es Camerounais. Mais c'est vrai que ça nous fait mal en tant que Sawa. Ça nous fait encore plus mal de voir une Camerounaise, mais en plus une des nôtres, emprisonnée. Mais excuse-moi de t'avoir coupé, excuse-moi, vas-y. Ok, évidemment, mon frère, franchement, ça fait depuis longtemps que je te suis. Je t'ai suivi dans le combat avec les Ivoiriens. Ta façon de parler, ta façon d'intervenir, ça m'a plu. Franchement. Merci. Et aujourd'hui, je me rends compte que nos frères et nos sœurs Camerounais n'entrent pas dans l'histoire pour lire l'histoire du Cameroun. À l'époque, les Français ont combattu deux ethnies au Cameroun, les Bassa et les Bamileke, parce qu'ils avaient compris que c'était des hommes puissants. Et Paul Biya a su utiliser ces gens-là à sa faveur. Regardez par exemple les élections présidentielles. Le pasteur là, et Serge Espoir Matomba. Le pasteur, lui, Paul Biya l'a utilisé parce qu'il savait que les Camerounais, ils aiment déjà l'église. On les a zombifiés dans l'église. Donc, il fallait que le pasteur vienne encore les endormir. Par exemple, après les élections, vous ne voyez plus le pasteur. Vu que la majorité de ces militants étaient ces gens, ces partisans de l'église, il les a endormis, ils sont allés tous au four. La majorité des gens de son village, il les a endormis. Ils sont tous cadrés. Kabra Libi, comment c'est que les Bassa sont des bons révolutionnaires? On l'a utilisé. L'exemple, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, Kabra Libi n'a pas de parti politique, c'est le parti politique du professeur Kumvando, qui est un Yaoundé. S'il se présentait lui-même, on allait dire, bon, ah, c'est toujours le Yaoundé.
On a donc choisi un Bassa qui est Cabral. On a poussé devant. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Ne cherchez pas à regarder la personne. Regardez le plan. Ça arrange tous les Camerounais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi par exemple, je dis toujours aux gens, je suis fier de leur dire, moi je suis venu en Europe par la route. Hein. Moi je vis en Inde. Je suis venu en Europe par la route. Mais quand tu arrivais à Tamaracet, il n'y avait pas de distinction là-bas. Quand tu arrivais, tu disais, je suis Camerounais. On t'amenait dans le ghetto camerounais. Et quand tu arrivais là-bas, on ne te posait pas la question de savoir, tu es Yaoundé, tu es Bassa, tu es Bamileke, tu es ceci, non. Quand tu arrivais, tu trouvais tes frères, tu disais, je suis Camerounais, on te prenait une fois. L'exemple en est que les anciens qui étaient là-bas, ils étaient dans les gares routières pour attendre les nouveaux qui venaient et les dispatcher dans les ghettos. Tu arrivais, tu dis, je suis Camerounais, on t'envoie, te dire, voilà tes frères là-bas. Mais pourquoi, quand on arrive ici en Europe, on veut combattre un même système pour nous tous, on commence à se disperser. Les gens commencent, oh, parce que tu es ceci, l'autre, ah, parce que tu es cela. Non, nous ne sommes pas de ce côté. Nous sommes là pour libérer le Cameroun et donner au Cameroun à ceux qui méritent, qui doivent travailler pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, eux, ils pensent que nous, nous sommes ici, on vit bien. Comme tu viens si bien de le dire tout à l'heure, même sans papier, on vit bien. Eric, je te prends après, t'inquiète. On a aussi envie de bien vivre au Cameroun comme ça. Il y a des petits avantages qu'il nous faut aussi avoir au Cameroun. Comme par exemple ici, sans papier, tu tombes, tu es malade. L'ambulance vient te prendre, on te soigne. On ne cherche pas à regarder si tu as papier ou pas. On te soigne d'abord. Mais au Cameroun, tu es à la maison, tu as un simple palu, tu meurs. Tu meurs. C'est ces petits avantages qu'on a besoin C'est de ça ça. aussi au Cameroun. Mais les Camerounais n'arrivent pas à comprendre jusqu'à présent. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a la haine de gauche à droite. Parce que tu supportes Kamto, parce que tu supportes l'autre, les gens veulent s'entretuer. Oh, moi, je dis toujours et je redis, le Bassa et le Bamileke unis ensemble, le Cameroun va être l'Eldorado de l'Afrique. Le Bassa, le Bamileke unis ensemble, le Cameroun va être l'Eldorado de l'Afrique. Là, je suis sûr de ce que je dis. Parce que les Bassa et les Bamileke ont été combattus par les Français au Cameroun parce qu'on les voyait venir. Les deux là unis, on les voyait venir. Mais Paul Biya, dans sa stratégie, comme il a beaucoup travaillé avec les Français, il a lu. Il utilise certains Bassa pour son avantage. Il utilise certains Bamileke pour son avantage. Parfois, quand je regarde Jean de Dieu Momo aujourd'hui, moi, je ris. Hein, parce qu'à l'époque, quand je le suivais, il était, c'est quelqu'un qui, il était prêt que si on mettait Paul Biya devant lui, il pouvait le déchirer. Quand quelqu'un, celui qui regarde encore les trucs de Momo, quand il était opposant, il faut voir. Il faut voir comment il était. Il était furieux quand il parlait de Paul Biya. Mais aujourd'hui, il faut le voir. C'est son bien, c'est son Jésus-Christ aujourd'hui. C'est son Jésus aujourd'hui. Mais il faut que les Camerounais ouvrent les yeux. Le Bassa qui, on voit qu'il ouvre un peu les yeux, Paul Biya le prend, le met à côté, il endort la population. Il endort la population. La majorité des Bassa aujourd'hui qui se plaignent. Edeya, comme on le dit souvent, Edeya normalement devait être une ville industrielle. Il y a quoi Edeya? Il y a quoi Edeya? Il n'y a pas de taxi Edeya. C'est les motos qui font les taxis Edeya. Les enfants rentrent de l'école, ils sont à côté de la route pour vendre les noix de coco. Même si la voiture l'écrase là-bas. Oh, l'enfant ne doit pas faire ça. Sous une chaleur étouffante, car il Franchement, fait extrêmement chaud. franchement, que les gars ouvrent les yeux. Ne regardez pas que telle personne. Moi, hein, ma majorité de mes amis, même en général, que je marche avec eux, c'est les gars Bassa. Mais moi, je l'ai dit souvent, aujourd'hui, certains sont mes ennemis, parce que je leur dis la vérité, que nous sommes pour un Cameroun, nous ne sommes pas pour être divisés. Si on s'unit, on va faire beaucoup de choses ensemble. Nous, quand on quittait le Maroc pour aller entrer en Europe, en Espagne, on disait ça à la masse, on allait en masse pour attaquer la barrière pour entrer. On ne distinguait pas que non, comme tu es Bassa, tu vas te mettre devant, comme tu es Bamileke, tu vas te mettre au milieu. On allait en Mais masse. mon frère, On tu entrait. sais, c'est Oumniobé et Wandji qui se retourneraient dans leur tombe. Mais voilà. Parce que Wandji était quoi? C'était pas un Bamileke? Oui. Et Oumniobé, c'était quoi? C'était pas un Un Bassa? Bassa. Tu te rends compte que si ces deux personnes-là savaient ce qui se passait aujourd'hui, ils se retourneraient dans leur tombe. Parce que Évidemment. c'était leur ethnie qui tenait la résistance. Et aujourd'hui, ce sont ces deux ethnies-là qu'on a opposées et qui empêchent que le rêve que eux-mêmes ont nourri et pour lequel ils ont donné leur vie puisse prendre corps. Franchement. La majorité des jeunes garçons aidés aujourd'hui, ils font que le best skin, c'est la moto. Les enfants sont à côté de la route, noix de coco, noix de coco, noix. Un enfant qui doit être censé aller à l'école, dès qu'il rentre de l'école, il doit se reposer. L'enfant est en route avec le plateau sur la tête. Dès que la voiture gare, il court. Noix de coco, tu les vois, ils bagarrent même pour 100 francs. Ils bagarrent en route.
Voilà ce que le Cameroun que Paul Bialès a réservé là-bas, du côté de là-bas. Mais ils sont contents, pour eux, ils supportent, ils disent oui, ils disent oui, ils disent oui, Mon ils disent oui. frère, mon frère. Ban à Mensewa parce que Eric t'es que à Pula Topo. Ok, Motam, Ok. ok. Mon gars, Sawa Ok, problème Omulema. Titi Motam, ok. Ok, la somme, ouais. Amoto, Doualo Bosso. Ok, Si, merci beaucoup, mon la frère. somme, la somme. Ok, Ok, la somme. Nassoumwa Djita. Eric, je te prends. Excusez mon Douala, très, très, très mauvais. Mais bon, je me suis fait un petit kiff avec mon frère Daïdo. J'ai voulu prendre Eric Tekeu. Est-ce que ça prend? Ah, ça Allô? prend. Bonjour. Salut Eric. Bonjour Dre. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour aux Yes, salut, 319 salut. internautes qui sont. Bonjour aussi également aux 319 internautes qui nous suivent actuellement. Alors Dre Boni, je voudrais te dire quelque chose. Tenez pas compte des cicatrices. On a été percuté par un moto, un bensicineur qui a pris la fuite. C'est la raison pour laquelle je suis revenu. Donc, tenez pas compte des cicatrices, elles cicatrisent déjà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais apporter ma part à, D'accord. je voudrais apporter ma part à l'édifice, à la construction de ce joyau, à la construction de notre combat. Alors, Dre Boni, je voudrais tout simplement te dire que le combat que nous menons aujourd'hui est un combat noble, est un combat qui va porter le Cameroun à l'apogée, à l'atteinte de ce que nous avons tant recherché. Alors, le pouvoir en place, le pouvoir en place aujourd'hui se sentant désespéré, se sentant coincé, aujourd'hui va même arrêter les mouches, va même arrêter les moustiques. Alors, l'arrestation de Maître Ndokiye est encore une preuve que nous sommes dans une république de reptiles. Alors, Dre Boni, le Cameroun au jour d'aujourd'hui se porte mal. On ne peut plus se cacher avant de dire cela. Alors, c'est vrai que les officines de la DGRE scrutent dorénavant nos directs pour savoir qui intervient, pour savoir qui fait quoi. Mais ce n'est pas ça qui peut ternir l'image de notre combat. Ce n'est pas ça qui va faire finir le combat que nous menons. Je suis sûr et certain que notre combat, nous l'avons déjà gagné, d'autant plus que le régime de Yaoundé est fébrile. Le régime de Yaoundé ne sait plus quoi faire. Le régime de Yaoundé ne sait plus sur quel chemin marcher, ne sait plus comment, ne sait plus comment je vais Sur quel sauter, pied danser? justement. Alors, Dre Boni, je t'encourage et te passe ici, et passe aussi ici un message à tous les frères combattants, à tous les résistants qui sont au Cameroun, qui sont à l'étranger, surtout ceux de l'étranger. Je passe un message à ceux des frères résistants de l'étranger, qu'ils ne pensent pas que nous qui sommes au Cameroun, nous sommes en reste. Nous vous suivons, vous êtes nos boussoles. Vous êtes ceux-là qui nous éclairent. Alors, maintenons le cap et canalisons les énergies, comme tu l'as dit tantôt. Portons nos projets tels que nous le pensons. Et je pense que ce sera ça qui va libérer notre Cameroun. Bonne continuation, André. Je ne prends pas ce temps. Je vais laisser la place à une autre personne. Merci beaucoup, Très Eric. bonne Merci continuation, beaucoup, André. Eric. OK. Merci, André. Voilà. À très, très bientôt. Voilà. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci Calibri, hein. On est ensemble. Partagez la vidéo, partagez, 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 partagez. Nous, vous savez, dans la diaspora, on ne souffre pas, hein. En France, tu as toujours ton petit truc.
Ici, on est bien. Je vais même vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer, mais regardez. Regardez ici comment les gens, on est à l'aise. Vous voyez, il y a tout ici. Je vous dis que ici, là, si je vous montre ici, vous allez au Rwanda. Vous-même, vous allez au Rwanda. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne souffre pas. Mais ça nous désole, ça nous fait mal de voir le pays dans lequel il est. Ça nous fait mal. Et moi, ça me fait mal. Je vous dis, hein, des fois, je suis là comme ça. Je dois remplir mes obligations. Je dois chanter. Mais à l'intérieur de mon cœur, vous savez, hein, vous savez, tout ça là, c'est vanité. C'est vanité. C'est-à-dire que quand ton pays ne va pas bien, tu sais, en fait, c'est comme si, par exemple, tu es chez toi comme ça et que tu as reçu une promotion dans ton boulot, mais que ton enfant, il est malade et il est à l'hôpital. Mais que dans ton boulot, ça va, tu gagnes beaucoup d'argent, tout ça, mais ton enfant, il est à l'hôpital. Est-ce que ça peut combler? Moi, je vous dis, hein, je préfère 100 fois trouver un Cameroun libre, prospère et que le Camerounais soit heureux que de ça là. Parce que ça là, ça va passer, c'est vanité. Mais le Cameroun demeure, le Cameroun reste. Nos moments où nous sommes bien, où nous buvons nos champagnes, où nous mangeons les choses, c'est des bons moments, certes. Mais ça ne vaut pas l'avenir d'un pays. Ça ne vaut pas le bien-être de toute une population. Ça ne vaut pas le manque de développement, le manque d'infrastructures, ça ne vaut pas toutes les calamités que tes frères de sang vivent. Parce qu'ils ont eu la malchance d'être gouvernés par des mécréants, par des méchants. Solange, t'inquiète pas, je te prends. Ah. Tu as envoyé ta demande, envoyez vos demandes. Voilà. Impossible de montrer, et quoi là, Solange à la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Impossible de montrer Sergio, petit voyageur. Attendez. J'ai essayé Monsieur Fotso. Monsieur Fotso aussi, ça ne marche pas. Calibrer aussi, on ne peut pas. Envoyez vos demandes. J'arrive pas à vous prendre en live. Tous ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. Parce que il y a un problème là. Attendez. Bon, on n'arrive pas à prendre les gens. Ceux qui veulent. Attendez. Et, Solange, j'ai essayé de te prendre, mais ça dit impossible. Renvoie. Ah, là aussi, ça ne marche pas. Sortez du live et revenez. Peut-être qu'il faut sortir et renvoyer encore pour qu'on puisse vous prendre. Ah, attendez. Je crois que ça marche là. J'essaie de prendre une personne, voilà. Salut, Allô? salut. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va bien et vous? Je te salue, ma soeur, et puis nous t'écoutons avec attention. D'accord. J'aimerais juste vous poser une question. Vous qui dites Oui. que le Cameroun va mal et tout ce qu'il y a de négatif de votre pays, qu'est-ce que vous, de la diaspora, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez D'accord, pu faire? Qu'est-ce que vous avez pu faire au Cameroun pour que je les vais, attends, Camerounais attends, 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 je vais, attends, puissent je vais répondre à ta, suite attends, je vais répondre à ta question, mais je voulais juste savoir, est-ce que toi, tu es, de quel côté tu te situes dans cette lutte-là? Je ne suis dans aucune lutte. En fait, moi, je veux que la diaspora réalise des trucs au Cameroun pour nous qui vivons au Cameroun. Si D'accord. le Que gouvernement ne fait penses-tu? pas, qu'est-ce que vous de la diaspora vous avez fait pour nous? D'accord. Que penses-tu de l'action du bilan? Que penses-tu du bilan de Paul Biya au bout de 36 ans? 36 ans, déjà, je n'ai pas 36 ans d'âge.
Donc, je n'étais pas là au début. Je ne connais Non, pas ce mais... qui s'est passé au début pour dire que je Non. suis là, je vis ma petite vie et Que... j'essaie de maintenir Je... comme D'accord, je peux. Moi, je j'essaierai vraiment reformule que vous ton essayez constat. de vous intégrer et d'arrêter de faire des Mais directs attends. pour nous vendre le rêve. Vous vendez le rêve. Bon. La fille là, si c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Je reprends Ekola Solange. Vous savez, on n'a plus le temps d'écouter les sardinades. Parce qu'en fait, c'est une sardinade. Sauf qu'elle n'a pas voulu le dire, mais c'est une sardinade. Je l'aurais laissé parler et j'aurais débattu si jamais on pouvait parler. Mais vous avez vu que quand vous parlez, ils vous écoutent pas. Et puis, ils veulent imposer leur vision. C'est-à-dire que vous posez une question, ils répondent pas. Et puis, ils essayent de vous matrixer dans leur sens. C'est pour ça que la communication, la conversation n'est pas possible. Sinon, je l'aurais laissé parler. Hein. Et, mais on aurait pu discuter argument par, comme argument. Vous savez, au niveau de la résistance, chacun est différent. Je sais que Serge, il aime bien les fumer directement. Moi, je suis quelqu'un, je t'écoute parler. J'écoute ce que tu as à dire et je rebondis avec mes arguments. Mais quand je vois que dans ta manière de parler, toi-même, quand je te pose une question, tu m'écoutes pas ou tu veux pas répondre parce que tu es dans ta logique et que finalement le débat, l'échange est impossible, il n'est pas fructueux, là, je suis obligé de te couper. Voilà. Donc, j'essaye de reprendre quelqu'un d'autre. Et quoi là, Solange? Je t'ai envoyé l'invitation. Non, moi j'aime bien discuter avec les sardinards. Oui, bonjour Solange. Bonjour, comme je suis au boulot, attends, je vais m'asseoir D'accord. un peu. Ok. Bon, bonjour, Dre. D'ailleurs, je te salue. Je sais que je vois que tu es mon frère, voilà. Mais ah, aujourd'hui les savoirs sont nombreux. Oui, et Mané. Nama Ok. Abouam, Ok, les gens ont dedans le banc. Bon, ce que moi je tenais à dire, d'abord, je suis très, très abattue par rapport à l'arrestation de ma soeur, ma mère de lutte, Maître Ndoki, celle qui nous a tous inspirés, celle qui a inspiré toutes les femmes. Je suis très abattue par rapport à elle. Et vraiment, ce gouvernement, vraiment, tous les jours, me tape sur le système. Et là, maintenant, je vais profiter pour répondre à la soeur qui était là tout à l'heure. Celle qui demande que. Nous qui sommes ici, nous faisons les vidéos, nous disons que le Cameroun va mal. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour le Cameroun? Je veux d'abord savoir elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait pour le Cameroun? Et elle pense que qui doit quoi faire quoi pour elle? Hein? Qui doit faire quoi pour elle? Nous, ce qu'on fait pour le Cameroun, c'est d'éveiller les consciences, de réveiller les gens, de réveiller les Camerounais, et que le Cameroun se réveille. Et qu'il est temps qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se prennent en main parce que ça fait 37 ans. C'est bien beau, elle a dit, elle n'a pas 36 ans, elle n'était pas encore là. Oui, mais ceux qui sont là, ceux qui étaient là en 82, quand Paul Biya a pris le pouvoir et qui ont vécu ça jusqu'à présent, ils ont bien vu la différence. Et nous-mêmes, nous voyons la différence. Malgré le peu de Mais tu temps vois, que même. tu vois ma soeur, je te coupe pas. Hein. Mais tu Oui. vois, quand tu poses une question à une personne, tu dis, qu'est-ce que Paul Biya a fait en 36 ans? Et que la Oui. personne te dit qu'elle ne peut pas dire parce qu'elle, elle n'était pas là. Tu vois que c'est de la Oui. mauvaise foi. Parce que le bilan, on n'a pas besoin d'être là, d'être né en 82 pour tirer un bilan. Tu as juste qu'à regarder les réalisations qui ont été faites et tu peux tirer un bilan. Donc tu vois que déjà la personne est de mauvaise foi. Et c'est pour ça que je vais poser cette question-là. Parce que quand je dis... Estime le bilan. Vu que le bilan est négatif, c'est pour ça qu'elle n'a pas répondu. Si le bilan était positif, elle aurait dit, mais Paul Biya a fait ceci, Paul Biya a fait cela. Elle aurait répondu avec fierté même. Mais même ceux qui défendent Biya ne sont pas capables de défendre le bilan tellement il est négatif. Et moi, par contre, je vais répondre à sa question aussi en disant, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Je vais lui dire que nous ne présentons aucune candidature devant le peuple. C'est-à-dire Exactement. que nous, notre rôle en tant que Camerounais, c'est de réussir de nos vies, c'est-à-dire de consommer et de nourrir nos familles. C'est le rôle d'un Camerounais, le rôle primaire d'un Camerounais. Le rôle d'un président de la République, c'est de développer son pays et de faire que les Camerounais aient un boulot, aient une situation et qu'en tout cas le pays regorge de potentialités et de faire ce pays-là un espace d'opportunité et un espace de développement.
c'est le rôle du président de la République. Donc, les Sardinards ne doivent pas inverser les rôles. Ce Je n'est pas crois nous. que c'est elle, Nathalie Bala, là. Il faudra la bloquer, Nathalie Bala, parce qu'elle a écrit là, ne dérangez pas les gens. Je crois que c'est elle. Elle est bloquée, elle est bloquée. C'est bon. Elle est bloquée. Elle va plus nous déranger. Donc, les gens inversent le rôle. C'est-à-dire que c'est à nous qu'on demande un bilan. Tu te rends compte? Les Sardinards disent, toi, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? En fait, un Sardinard te demande un bilan alors que tu n'as pas porté ta candidature à aucun niveau. Si aujourd'hui je porte ma candidature parce que je vais être président de la République ou que je suis président de la République, là tu peux me demander ce que j'ai fait pour mon pays. Mais c'est à celui qui chaque 7 ans nous promet monts et merveilles qu'on doit demander un bilan. Si on Ah demande oui? un bilan à Paul Biya, à qui on va demander un bilan? C'est Paul Biya qui dit votez-moi. C'est Paul Biya qui, tous les 7 ans, jure sur je ne sais pas quoi là, qu'il va tout faire pour le Cameroun. C'est Paul Biya qui porte sa candidature. C'est Paul Biya qui veut être président. Donc c'est à lui qu'on doit demander qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun. C'est-à-dire que les suffrages que tu as récoltés et même les suffrages que tu n'as pas récoltés, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que tu te présentes devant nous et que tu dises je veux être le président? Parce que être le président, ce n'est pas seulement aller en Suisse. Ce n'est pas seulement aller jouir des comment dire, de l'argent de l'État et des fonctions des fonctions. C'est aussi travailler, c'est aussi avoir un bilan. Regarde en France, Emmanuel Macron qui a été élu, mais il est obligé de donner son bilan parce que les Gilets jaunes ne sont pas contents de son travail. Pourtant, ils l'ont élu. Mais même quelqu'un d'élu doit donner un bilan. Donc à partir du moment où on est dans une république, hein, si c'était un royaume, on ne pouvait pas demander le bilan à Paul Biya. Mais vu que nous sommes dans une république, celui qui est là, il doit rendre compte parce qu'il est au service des Camerounais. Donc, du coup, tu l'as déjà très bien répondu. Donc, je la gère plus celle-là. Elle ne mérite pas qu'on perde beaucoup de temps pour elle. Donc, du coup, Vas-y. je suis ici, je dis ici, je suis très, très abattue par rapport à l'arrestation de Maître Ndoki, notre sœur. Voilà, dans le Cameroun, donc, on nous refuse de nous lamenter, on nous refuse de parler. Un Cameroun où, tout simplement parce qu'une femme s'est levée, allait marcher pour revendiquer une justice équitable. Non seulement on tire sur elle, et après c'est encore elle sur qui on a tiré, qu'on arrête pour emprisonner. Et la personne même qui a tiré sur elle est en liberté. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire, les mots me manquent. Et moi, je pense comme beaucoup d'autres que ce gouvernement, on le caresse un peu trop. Qu'on est un peu trop en train de le caresser. Je pense que vous allez m'excuser de le dire, mais je le dis et je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je pense qu'il est temps qu'on passe à des méthodes vraiment fortes. Parce que plus on les caresse, ce gouvernement, plus ils ne comprennent pas. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on passe à des méthodes vraiment fortes. Et vraiment, moi, je dis, je suis prête pour ça. Je suis prête. Même pour financer, je suis prête pour ça. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand les gens s'asseyent, ils me disent que les choses vont au Cameroun. Voilà une soi-disant de brigade des patriotes qui s'élèvent, ils vont au Cameroun, on les reçoit à la CIA TV. Aujourd'hui, on voit pour un partage d'argent qui s'est mal passé, parce que moi, je dis que c'est ça, on voit les vidéos sortent de partout. C'est les linges qui se lavent par-ci, par-là, parce qu'il y a eu un partage d'argent qui s'est mal passé. Donc, voilà dans le Cameroun qu'on veut qu'il faut que ça continue à rester comme ça, que tout va bien. Hein? Ça, il vient même d'abord d'où? Qu'on vient ramasser les gens ici pour leur donner l'argent du contribuable, soi-disant, il faut qu'ils viennent combattre la brigade anti-Sardinat. Au lieu que moi, je pense que dans un pays où les gens réfléchissent, les gens devraient plutôt s'asseoir et dire que, mais les gars de la brigade anti-Sardinat, s'ils se plaignent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Essayons un peu de les faire asseoir. On essaie de comprendre leurs revendications. Non, ils préfèrent plutôt payer les gens pour venir les combattre et les payer avec quoi? Avec l'argent du contribuable. Et vous trouvez que ça, c'est... Et les gens justifient ça. Vous justifiez même quoi? Même ceux-là qui viennent faire les vidéos aujourd'hui pour dire que,
Oui, vous n'êtes pas des patriotes. Ceux qui étaient avec eux, qui viennent aujourd'hui faire des vidéos, soit disant, vous n'êtes pas des patriotes, vous ne pouvez pas aller prendre l'argent. Mais commencez d'abord même déjà à condamner ceux-là qui acceptent de leur donner l'argent. Quand il y a un problème dans un pays, je crois que, et qu'il y a un problème dans un pays, que les gens sont en train de faire des revendications, ça veut dire qu'il y a problème. Vous faites asseoir les gens et on parle. Et vous parlez, on trouve des solutions. Vous ne faites pas venir les gens pour les payer pour aller combattre les autres. C'est très malsain. C'est très malsain. Donc, comme je suis au boulot, je ne vais pas mettre longtemps. Je vais juste dire soutien à tous les combattants. Restons mobilisés, restons forts. La résistance continue. Et la patrie ou la mort, la vraie patrie, hein, pas la patrie entre guillemets, la patrie ou la mort nous vaincront. Merci, Dre. Amen. Na somo dita. Ah, ma peine à somme. La OK. Bembila, Bembila, Bembende Bwaba Ah mince. Sans faire exprès, j'ai laissé, j'ai pas. Bon, OK. En tout cas, chers amis, OK. Il y a une autre personne qui voulait intervenir. Ceux qui veulent intervenir. Vraiment le Cameroun, on va tout voir ici. On va tout voir ici. Mais la brigade des patriotes là, que la maman a parlé là. La plupart, regardez, hein, ceux de la brigade des patriotes, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont je sais pas où, ils sont pas où. Pourquoi ces gens-là n'habitent pas au Cameroun si le Cameroun est doux? Parce que c'est les mêmes gens qui sont, quand ils sont au Cameroun, disent, oh, le Cameroun est doux. C'est eux qui veulent faire les problèmes. Mais pourquoi eux-mêmes ont fui le Cameroun? Si le Cameroun est doux, pourquoi ils habitent en Europe? Si le Cameroun est doux, pourquoi la brigade des patriotes est. Oui, allô? Bonjour Elisabeth. Oui, salut, mais malheureusement, je suis déjà entrée dans la douche. Là, je peux vous rappeler après. OK, il n'y a pas de OK, il n'y a problème. pas de problème. Je vous rappelle tantôt. Yannick, j'arrive pas à te prendre. Renvoie la. Je vais prendre Hervé. Ouais, comme j'ai la brigade des patriotes, ils habitent en France, ils habitent au Canada. Bobson, là, il est au Canada. Pourquoi il ne rentre pas au Cameroun? Pourquoi les gars de la brigade anti-patriote, vous allez en vacances au Cameroun, vous allez au Cameroun en vacances, vous dites le pays est doux. Vous dites le pays est doux parce que vous allez rester peut-être 2 semaines au Cameroun. Vous dites que le pays, c'est facile de dire que le pays est doux qu'on reste 2 semaines. Moi, quand j'allais au Cameroun, je disais le pays est doux. Pourquoi? Parce que je restais 2 semaines. Non. Non, on s'en fout, c'est off normalement. Ouais, on base, Jay l'a dit, on n'y va pas. Je sais pas. Peut-être bon, tu vois. Bonjour, frère. Salut. 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 Et salut à tout le monde. En fait, je voulais juste répondre à la dame qui a demandé qu'est-ce que la diaspora fait pour le pays. Je pense que les gens n'ont pas Pardon? encore conscience J'ai pas de... bien entendu.